Mes frères, il y a eu un combat dernièrement ici sur les médias. Il m'a écrit, il m'a dit à Joël, voilà telle chose, voilà comment c'est l'allure que cette chose a prise. J'ai dit, tu es mon frère et je suis avec toi, même si on est en train de t'attaquer. Cette histoire n'ira pas à la justice. Nous tous, on peut faire des écarts de langage, ça peut arriver. Mais on ne va pas laisser Satan profiter. Je parle du pasteur Marcelo. J'ai dit, mon frère, je suis avec toi. Parce que ton combat, c'est mon combat. Maintenant, les gens utilisaient une ancienne prédication de moi. Et ils veulent dire comme si je l'ai répondu. Le pasteur Marcelo est mon frère. S'il fait bien ou mal, je suis avec lui. Les erreurs, on va se parler entre nous. Mais en public, je soutiendrai toujours mes frères et toujours les miens. Je ne suis pas un lâche. Et je ne suis pas un traître. Et je ne profite pas de la faiblesse des gens pour me faire un nom. Jamais. Je suis assez homme. J'ai des reins solides. Je suis un homme. Je suis assez homme pour me faire une notoriété seul. Amen. Et ne pas bâtir une renommée sur les problèmes de quelqu'un. Parce que Satan aime profiter. Satan a après une église a un combat, les gens font justice et toi tu dis allez qui s'occupe. Qui ne fait pas des erreurs? Encore si c'était une erreur, ça n'est même pas une. Elle est la vérité. Et ça solo. Mais alors, Nakota. En public ou pas, ça ne me regarde pas. Et que Dieu, écoutez-moi, Dieu a dit à Caïn, où est ton frère? Oh, suis-je le gardien? Oui, tu es le gardien de ton frère. Qui est ton voisin? Tu es mon gardien. Tu es mon gardien.